Hey Matelot, ici Défroid pour aujourd'hui vous présenter une maison qui est assez différente de d'habitude pour le coup. Une maison donc avec un toit très grand, très proéminent, qui recouvre toute la maison et qui déborde jusqu'à pouvoir avoir des côtés comme ça, où par exemple on peut mettre des chaînes comme ça qui vont jusqu'au sol pour délimiter un peu la maison. Voilà, c'est une architecture très différente de ce que je fais d'habitude et j'avais vraiment envie d'essayer ça. Hop, et d'autant plus que j'ai aménagé la maison. Bon, c'est un aménagement très simple, hein. Hop, on arrive ici comme ça. Hop, voilà, des petits crochets pour faire un porte-manteau avec une espèce de paillasson XXL. Ce qui donne sur une sorte de salle à manger, enfin une table, un salon quoi, voilà, assez simple, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace du coup dans cette maison, donc c'est vrai que j'ai fait au plus direct, au plus rapide. Hop, voilà, une étagère comme on les aime, avec porte et des tapis par-dessus, ok, mais ma foi ça rend plutôt bien. Hop, ici, alors oui, la grande partie en, comment on appelle ça, en andésite poli en plein milieu, permet de mettre des placards aussi à l'intérieur, parce que pourquoi pas. Ici, on est plus sur du côté pratique, vous voyez, donc avec lavabo établi, four et tout ce qu'il faut. Hop, voilà, quelques pièces à vivre à l'étage, un lit avec un réveil que j'ai fait en cloche. Je sais pas pourquoi il n'y a que moi qui utilise cette astuce-là d'utiliser des cloches pour faire des réveils. Je trouve ça vachement approprié pour le coup. Hop, et ici un petit salon qui est peut-être la plus grande pièce d'ailleurs. Et puis voilà. Bah c'est pas sympa ça, dis donc. Hop, ici pareil, un placard. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, on voit les chaînes comme ça au travers des vitres à l'intérieur. Je trouve que ça donne une petite ambiance sympa, le fait d'avoir un toit comme ça qui se prolonge à fond. Je sais pas, ça donne un côté sympa. Hop, donc, on va aller voir tout ça en tutoriel et je vais vous expliquer comment réaliser vous-même cette maison. Ah oui, alors... j'avais fait cette maison il y a très longtemps, je l'avais pas fait en tuto il me semble, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez envie de voir cette maison en tuto pour pouvoir la refaire en fait. Voilà. Hop, allez, moi je vais vous montrer la maison du coup qu'on est en train de commencer. Ok, donc c'est cette maison là. Hop, oui, alors là-bas il y a le château, il faudra le faire aussi en tuto. Alors... Donc, on a cette maison ici, va falloir que je vous donne l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop, je les ai fait ici. Ok, donc on va prendre du quartz lisse, hop, et on va ainsi que du, alors comment on appelle ça, de la diorite polie, ainsi que voilà, de l'andésite, hein, on va prendre les blocs principaux, voilà, andésite, polie, diorite polie et du quartz pour pouvoir faire la base de la maison. On va aussi prendre du coup des blocs de béton gris. Ok, et on va faire cette base là. Alors la maison que vous avez derrière, c'est le prochain tutoriel qui viendra après, demain ou après-demain sur la chaîne. Alors, pour faire une base comme ça, on va prendre hop, un pilier ici, voilà. Le pilier de base de la maison va être de 4 blocs de hauteur de quartz. D'accord, jusque là. Hop, par l'arrière du coup, à partir de ce bloc là, jusqu'ici, on a 9 blocs de quartz. Hop, on va sur le côté entre ici et là, on a 18 blocs de quartz. Hop, on revient par devant et entre ce bloc-là et ici, on a 9 blocs de quartz. Et hop, on revient en façade entre ce bloc-là et ici, il y a 15 blocs de quartz. Et normalement, vous avez 2 blocs d'espace avec le bloc ici. On remet un pilier de 3 blocs jusqu'à toucher le sol. Ok. On va garder le quartz et on va mettre 1, 2, 3 blocs. Et au quatrième bloc, on va remettre notre bloc de quartz. Hop, on enlève ici. Et ici, hop, entre là
Et là, on aura 19 blocs de quartz, hein, donc c'est la même chose qu'en dessous. D'accord ? Ici, sur le côté, entre ce bloc-là et ici, on en a 9. Entre ce bloc-là, hop, et celui-là, on en a 18. Hein, vous voyez, à chaque fois, c'est au-dessus. Hein, on refait la même chose qu'en dessous, sauf que là, il n'y a pas d'écart, hein, vous voyez, au-dessus. Mais sinon, c'est la même chose. D'accord ? Donc voilà, pour ceux qui veulent les dimensions, du coup, on était arrivé à ce bloc-là, et entre celui-là et celui-là, il y en a 9. Et normalement, vous avez votre rectangle qui est fait, ici comme ça. Donc vous avez la partie en quartz, normalement. Ok. On va faire la partie en béton gris, ici. On va prendre le bord, ici, des blocs de quartz. On va compter 1, 2 blocs, et on va venir en dessous, et un bloc sur le devant, pour faire 3 blocs de béton comme ça, jusqu'au sol. Au niveau du bas, on va compter entre ce bloc-là et celui-là 6 blocs. Puis on recompte 3 blocs comme ça, hein, 1, 2, 3. Et on remet une ligne comme ça de blocs ici, comme ça. Ça, ça va nous donner un repère pour pouvoir faire la partie, vous voyez là-bas, en béton. On va faire la partie en andésite. D'accord ? Donc c'est vraiment de l'andésite poli. On va partir de notre bord de partie en béton. On va compter 1, 2, 3 blocs au sol. Puis 1, 2, 3 et 4 blocs vers l'intérieur de la maison. Et là, on va poser notre premier bloc d'andésite. On va laisser 2 blocs sur le côté ici, comme ça. Et à l'arrière, on va laisser, hop, 9 blocs de longueur sur l'arrière. Et normalement, vous voyez, on dépasse les parties en quartz de 3 blocs par derrière la maison. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir faire ça comme ça. Hop, tac, 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 tac. Ok. Et maintenant, toute cette petite forme-là, ce petit rectangle, on va le prolonger sur un certain nombre de blocs. Donc, on va le prolonger sur 10 blocs de hauteur en plus de ce qu'on a fait déjà. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de hauteur. Et la même chose pour tout le reste de l'andésite. Hop. Voilà donc ce que l'on a. Hop. Alors, on va reprendre les blocs de quartz, ok, et on va venir faire un mur dans le prolongement du pilier qu'on avait fait ici. Vous voyez donc ici, comme ça, jusqu'à l'autre côté, jusqu'à arriver ici. Hop, comme ça. Tac, tac. Tac, et au-dessus aussi. Voilà. Et la même chose de l'autre côté, ici. Hop. Alors c'est vrai que je vous avais pas montré, mais en gros, voilà, voilà ce qu'on a pour l'instant. Hein. Et l'idée derrière ça, c'est que à l'arrière de la maison, ici, vous avez, vous pouvez le voir, en fait, notre petit chemin là, il arrive sur l'arrière de la maison, et c'est là où on pourra... Alors on va peut-être mettre un petit peu de lumière, parce que ça serait plus visible pour vous. Hop. C'est là où on aura... Bon là, je suis sur une flat map, donc il n'y a rien en dessous, mais... l'idée, c'est d'avoir l'entrée d'une mine, en fait, ici, vous voyez, à l'arrière de la maison. Vous avez l'entrée de la mine directement. Comme ça, c'est pratique. Hop. Donc, voilà. Et l'idée, c'est qu'on la mettra ici. Donc, on va utiliser les escaliers en quartz. Ok. Touk, touk, touk. Et on les met ici, comme ça. Jusqu'à arriver au niveau, à niveau. Tac, 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 on rebouche ici. Et on va boucher aussi toute la surface de quartz qui manque à ce niveau-là. Vous voyez, donc tout cette surface-là, là, tac, 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 on la remplit. Ok. Voilà. Donc l'idée maintenant, c'est qu'avec les blocs de quartz, les escaliers en quartz, on va venir creuser, voilà. Hop, ici. Bon, je vais vous le faire sur quelques blocs uniquement parce qu'évidemment moi j'ai pas la possibilité de mettre une véritable mine sous cette maison. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez avoir l'entrée d'une mine comme ça. Vous mettez aussi hop, des murs en quartz sur le côté histoire de faire un petit peu cohérent. Hop. Vous avez compris l'idée. Et vous faites la même chose de l'autre côté ici aussi bien sûr avec ces blocs là. Et voilà, vous avez l'entrée d'une mine. Ok, avec le quartz, du coup, on va faire un mur,
hop, comme ça, on va prolonger le mur en dessous jusque au deuxième étage. Comme ça, d'accord. On va de l'autre côté de la maison, ici, et sur cette ligne-là. Hop, j'arrive pas à mettre, voilà, les blocs où il faut. Sur cette ligne-là, on va mettre un mur. Comme ça. Et vous voyez, là, on voit bien la forme de la maison. Hop, à ce niveau-là, on va remplir ici deux blocs de quartz. Hop. Voilà, hein. Ok, la partie en béton maintenant, du coup, on va faire ici, vous voyez, le mur entre ce mur-là, là, on va le prolonger jusqu'à un bloc par devant la partie en quartz. C'est-à-dire comme ça, vous voyez. Hop, voilà, on remplit le mur. Et ici, sur cette partie-là, on va faire la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire on va faire, hop, un rectangle comme ça, vous voyez, pareil. Hop. À l'intérieur ici, on va laisser juste deux blocs pour faire la porte. Comme ça, on va mettre des blocs comme ça. Et ici, ce sera pour la porte du coup. On va venir creuser dans le sol pour pouvoir mettre des planches de bois pour pouvoir faire le plancher justement. Attendez, ça veut dire qu'on appelle un plancher plancher parce que c'est fait en planche ? Je viens juste de penser à ça, là, donc... Bon, bref, on finit de mettre tout ça. Et hop. Voilà. Ok, donc, maintenant, on n'a plus qu'à faire le toit. Enfin, en tout cas, au niveau de la structure, on a encore le toit à faire. Donc, vous prenez ce coin, par exemple, ici, de quartz. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs en hauteur. Un bloc sur le devant et deux blocs sur le côté, d'accord ? Hop, pour avoir le coin du toit ici. On va utiliser de la diorite polie, d'accord ? Et à partir de là jusque là-bas, on va faire une ligne de diorite de 23 blocs de longueur, d'accord ? Ici sur l'arrière, on va faire hop, 16 blocs de longueur. Hop, ici encore sur le côté, jusque ici, 22 blocs. Et normalement, ce bloc-là et l'autre là-bas sont alignés. Vous n'avez plus qu'à les rejoindre. Vous avez entre les deux, hop, 15 blocs de longueur au total. Ok, normalement, vous avez ça. Pour être sûr d'avoir bien fait les choses, votre ligne de quartz, de diorite ici, pardon, est juste un bloc devant. Vous voyez là les blocs de quartz, ok, on est un bloc par devant, sur l'avant de la maison, et sur l'arrière de la maison, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs par derrière la partie en quartz. Voilà, pour quelques repères, histoire de voir si vous avez tout bon. Ok, une fois qu'on a ça, bien on remplit la surface avec de la diorite. Hop. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, on va vraiment faire les finitions. On va utiliser des escaliers en diorite normaux, pas polis. Et on va venir les mettre à l'envers sur le côté du toit ici, vous voyez comme ça. Hop, ok. On va faire tout le tour du toit comme ça. Hop. Puis après, on mettra les murs. Youp, 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 youp. Est-ce que je vais y arriver d'un coup? Non, j'ai... Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble du coup. On va mettre les murs maintenant. On va faire les murs en planches de sapin. Hein. Vous voyez, j'ai mis les bords des murs sur la maison. Donc, on prend le coin ici. On va sur un bloc en diagonale à l'intérieur. Et on pose, voilà, vous voyez, deux blocs de planches de sapin comme ça. On les monte au plafond. Sur le côté, on va laisser 5 blocs de vide et on va remettre 2 planches de sapin qu'on va monter au plafond. Et ici, on laisse 3 blocs de fenêtres pour pouvoir mettre 2 planches comme ça. Et normalement, elles sont collées au mur du fond. On va faire la même chose en symétrique, vous voyez, de l'autre côté de la maison, en laissant un bloc de bord par rapport au mur en quartz. Et on va faire ça comme ça. Tac, 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 là aussi, vous voyez, symétrique. Au-dessus... Pareil, on va prolonger ici, vous voyez, le mur du dessous sur le dessus. Sauf que
Eh bien, on va faire un truc comme ça, donc avec un coin dans ce style, voyez. Tac, tac. Ici, pareil qu'en dessous, hein. Hop, à ce niveau-là, on va laisser donc un bloc de marge par rapport au bloc ici. On va prendre le coin, on va prendre en diagonale, on en met 3 comme ça. Hop, jusqu'au plafond. On laisse 3 blocs ici pour la fenêtre et tac, 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 on remet un mur ici comme ça, aligné avec l'autre en dessous. La même chose ici, hein, pareil, aligné avec l'autre en dessous, on met le mur du dessus. Comme ça. Et en face, de l'autre côté, youp, ici, on va remettre un mur comme ça. Comme celui qu'on avait fait en dessous, alors qu'on n'a pas fait du coup, mais vous voyez l'idée. La même chose que celui d'en face. Voilà du coup pour les murs en bois de sapin. Donc, on va prendre maintenant, pour vraiment finir tout ça, des dalles en chêne, vous voyez. Hop, on va ici, là, mettre des premières dalles en chêne. On va mettre une ligne de dalles jusque ici, vous voyez, donc alignée avec le bord de la partie en quartz. Hop, on va sur l'arrière, comme ça, tac, comme ça, hein, pareil, alignée avec le dessous. Et jusque là, d'accord. On va refaire exactement la même chose ici et ici, vous voyez, pour hop, tac, 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 pour donner une espèce de mur un peu particulier, un mur en dalle. C'est vrai que j'utilise jamais cette astuce là dans Minecraft. Hop, et voyez ce que ça donne. Allez. Une fois quand c'est terminé, ça donne ça. Ok, donc on va venir prendre les vitres et on va venir combler les fenêtres aussi, bien sûr. Donc ici, les fenêtres, hop, comme ça, tac, 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 tac. Puis après, on mettra des fenêtres jusqu'au plafond ici. Tac, tac, vous voyez, comme ça, hein. Je les remplis pas à chaque fois pour gagner un petit peu de temps à la vidéo. Mais vous voyez, hop, ici, là, c'est toute la fenêtre qu'il faudra monter jusqu'au plafond, hein. Tac, 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 évidemment, évidemment. Là aussi... Hop, en dessous, ici pareil, et l'autre côté pareil. Hop, tac, tac, ici. Ici aussi, bien sûr, à ce niveau-là. Là, ici. Et de l'autre côté, j'ai déjà montré, du coup. Ok. Donc, on a vraiment la structure de la maison qui est faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les finitions. Et c'est important, les finitions. Donc... on va prendre des blocs de quartz, des blocs de quartz ici comme ça. Et on va venir creuser dans le sol. Vous voyez, tout jusque là. Alors attendez, que je prenne mes repères. Jusqu'au bord ici. Ok. Donc, on va venir creuser. En prenant ici, vous voyez, le bord de notre partie en andésite. On va venir creuser trois blocs par devant comme ça. D'accord. On va... hop, dans ce sens-là, creuser deux, ouais, jusque-là, donc ça nous fait, youp, entre ce bloc-là et ce bloc-là ici, ça nous fait 13 blocs de longueur, d'accord. Ici, on va dans ce sens-là et on creuse jusqu'à arriver au même niveau que la partie en béton, jusque-là, vous voyez, on est aligné, tac, 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 on revient ici comme ça. Donc, on enlève tout ça, hop, ok. Vous voyez, donc ça nous fait un trou comme ça. On va utiliser les blocs de quartz lisse ici, vous voyez. Tac, 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 tac. On va remplir cette petite zone. Et on va venir mettre des blocs de quartz, hop, sur les bords comme ça, sur le long des bords. Tac, 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 ici comme ça, jusqu'à l'autre côté. Hop. Et hop, d'accord. Et ici, donc tout l'intérieur du trou qui reste, on va utiliser des grandes fougères. Hop, des grandes fougères, donc de deux blocs de hauteur. Et on va venir, hop, les mettre comme ça en fond. Évidemment, si jamais vous avez envie, vous utilisez autre chose. Moi, ce que je pense qui serait intéressant, c'est de mettre une seule chose, en fait. Une seule fleur ou une seule...
un seul truc de deux blocs de hauteur. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez des grandes fougères, des hautes herbes, des pivoines, des tournesols, des lilas, vous voyez. Toutes ces choses-là, vous pouvez les utiliser. Peut-être les rosiers ou les tournesols, ça serait un petit peu trop vif au niveau de la couleur. Mais typiquement, les grandes fougères ou les hautes herbes, c'est très très bien. Voilà, donc on va utiliser maintenant les... Comme ça, les chaînes, ok. Alors, on va espacer les chaînes de combien? De 3 blocs chacune. Donc, l'idée, vous voyez, vous prenez votre bord ici de notre... le coin de notre partie en quartz. Et on empile des chaînes... Alors, pas ici, mais vous voyez là. Les unes sur les autres jusqu'à toucher le plafond. Et normalement, on arrive sur le coin du plafond ici. D'accord? Et donc tous les 3 blocs, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous mettez pareil une grande ligne comme ça, grande colonne de chaîne jusqu'au plafond. Voilà. Youp. Ok. Voilà, voilà. Alors, on va utiliser maintenant les blocs de charbon. On va venir devant la maison et on va hop, laisser un bloc d'herbe comme ça à côté de la partie en béton. On va enlever des blocs par devant comme ça. Hop. Et on va creuser un trou de 1, 2, 3, 4, 5 blocs comme ça. En laissant donc un bloc de marche par rapport à la partie en andésite. Et pareil avec la partie en quartz, on laisse un bloc de marche comme ça. Et on fait un trou de 5 blocs de large sur autant de blocs que vous voulez en longueur, hein, vous voyez, donc là on peut creuser assez longtemps. L'idée étant de faire une cour pour les voitures, vous voyez, une espèce de garage, une route privée finalement qui arrive sous la maison. Et l'idée c'est de relier cette petite route là privée à la route de votre ville, de votre serveur. Et donc voilà, vous la faites aussi longue que nécessaire. Nous on va s'arrêter ici, histoire de... Mais voilà, techniquement, ça peut être beaucoup plus long que ça, si jamais vous avez envie de créer votre maison dans la campagne, et que vous avez besoin de relier la route à la ville, ça peut être beaucoup plus long. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les diorites ainsi que les diorites polies par devant, là, l'escalier ici, comme ça. Donc on va mettre une diorite normale et une diorite polie l'une à côté de l'autre et on va venir faire un petit chemin comme ça de quelques blocs de longueur comme ça et on va venir faire un damier. Vous voyez, là je pose les diorites polies en forme de damier comme ça et le reste on va le mettre juste en andésite normale. Et regardez un peu ce que ça donne comme effet. Moi j'ai l'impression, alors vous allez me dire dans les commentaires si pour vous ça vous fait la même chose. Et moi ça me donne un peu l'impression que les andésites, les diorites pardon, polies sont légèrement surélevées par rapport aux diorites normales. Vous voyez, on a l'impression qu'elles ressortent un petit peu. Vous voyez, je trouve ça bien, moi, je trouve ça sympa. On va faire un peu la même chose ici, on va creuser dans le sol sur deux blocs de large, sur tout ça en longueur, donc jusqu'à être aligné avec les parties en quartz. Tac, 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 on va faire ça comme ça, ok, pour relier finalement la partie en charbon jusque l'entrée de la mine, et on va faire l'entrée, hop, ainsi que le chemin en damier de diorite, que j'ai plus, voilà, diorite normale, tac, tac, tac. Hop, vous voyez. Ok. Donc, on va continuer avec les détails et notamment avec les dalles de quartz. Hop, ok. On vient ici comme ça mettre sur le devant de la maison plusieurs dalles de quartz dans ce sens-là. Vous voyez. Donc de la même largeur que la route. On va... comptez 1, 2, 3 blocs à partir du coin ici pour pouvoir mettre le premier. Et voyez, vous en mettez 2 avec un bloc d'intervalle à chaque fois. Comme ça. Pour faire un espèce de petit préau à la route. On va faire la même chose de l'autre côté de la maison. Hop, ici. Au-dessus
des petits chemins ici comme ça. Tac, tac. Attendez, si on fait ça comme ça, c'est presque aussi bien. Hop, comme ça, vous voyez. Ok. Maintenant, on va vraiment faire les finitions des finitions, finalement. C'est-à-dire, on va mettre quelque chose qui est sympa aussi. Ce sont des espèces de grandes trappes, comme ça, qui tombent du plafond. J'avoue que j'aime bien cette idée. Donc, alors, on va les espacer de deux blocs à chaque fois. Ça marche. On prend, vous voyez, les deux blocs ici de quartz. On laisse un bloc de marge ici. Et normalement, si on... Hop, met une grande tour comme ça en trappe, eh bien on peut rejoindre le bord du toit ici comme ça. Hop, tac tac, après il n'y a plus qu'à les mettre à la verticale. Hop, vous voyez. Et on va faire trois piliers comme ça en trappe, du coup, espacés de deux blocs à chaque fois. 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop, hop. Et à chaque fois, maintenant, on refait la même chose. Ok. Voilà. Bon, alors, maintenant, sur le côté de la maison, ici, on va prendre des lanternes aquatiques. On va venir compter 1, 2, 3 blocs ici, comme ça. Hop, un bloc ici, on met une lanterne. Pareil, 1, 2, 3, tac, paf. Ok. On va venir mettre deux barrières de sapin sur chacune d'entre elles, ainsi que... des feuilles de chêne, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et la même chose à côté, hein, on met 1, 2, 3, 4, 5 blocs de feuilles, comme ça pour faire joli, hein, tout simplement. Allez, on reprend les lanternes et on vient au niveau du dessus ici, du haut de la partie en andésite, et on va compter 1, 2 blocs ici comme ça, et on fait un trou, 1, 2, paf, 1, 2, paf, et on met... des lanternes aquatiques dans le toit. Tac, 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 ok. Et en parlant du toit, du coup, bien, on va dans le prolongement, vous voyez, des parties en trappe de chêne. On va mettre, hop, des dalles en chêne noir, ainsi que des capteurs de lumière. Ils sont où? Voilà. Yep, c'est-à-dire que à partir d'ici, vous voyez sur 6 blocs, tac 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 tac, enfin sur 3 blocs x 2, vous voyez donc 6 blocs à chaque fois, on va mettre des blocs comme ça. On va mettre des capteurs de lumière sur, allez, une dizaine de blocs, je sais pas trop combien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de long à chaque fois, ok. Yep. En réalité, ce n'est pas très utile de faire ça vu que personne ne regarde jamais vraiment le toit des maisons. Mais c'est bien quand même. Donc on fait quand même une petite décoration. Vous voyez, comme ça. À chaque fois, on met 3 dalles de sapin sur 2 blocs de large devant et derrière. Et puis, ma foi, eh bien, on n'est pas loin d'avoir fini la maison. Il nous reste quelques petits détails que je vais vous montrer du coup sur la maison que j'avais fait. Ici, vous voyez, sous la partie en quartz, on va mettre quelques lanternes ici, comme ça, deux lanternes, espacées de deux blocs par rapport au bord du mur, hop, ici, et deux blocs là, vous voyez, histoire de donner un petit peu de lumière. Ici, hop, vous voyez, sur le petit balcon à ce niveau-là, on va faire tomber des feuilles comme ça, puisque ça rend ça fait joli, tout simplement. Hop, ah oui, ici, dans le tunnel, ok. Donc, vous voyez, des roses espacées tous les deux blocs, jusqu'à là, parce que ça donne de la couleur, c'est plutôt sympathique. Et ici, histoire d'avoir un petit peu de luminosité, on met des lanternes aquatiques dans le sol, espacées de deux blocs par rapport au bord du mur en andésite, ici, et trois blocs de l'autre côté. On en met deux ici, comme ça, et puis voilà, une barrière des feuilles au-dessus, histoire de faire joli. Ici, vous voyez, donc des vitres au-dessus des portes. Hop, quelques plaques de pression. Voilà. Hop, ici, vous voyez, quelques petits pots de fleurs avec des tulipes. Parce que c'est bien. À ne pas en mettre trop, mais quelques-unes, c'est pas mal.
Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de la maison. Je vous ai montré du coup comment je l'ai aménagé juste avant. On peut aussi rajouter bien sûr des balises dans le sol. Vous voyez, à côté de la route comme ça, un bloc sur deux. Ça c'est très très bien aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de la maison que je vous ai montré juste avant. Vous savez, de commencer ce tuto, la maison en rond là. Si jamais vous voulez la voir en tuto ou pas. Et sur ce, on se retrouve demain pour le prochain tutoriel. Merci à tous, bon vent matelot, j'ai pas ma canne à pêche. Voilà, bon vent matelot et à la prochaine.